À l'écoute de Radio Mali, les 13h à Kati, la même heure partout au Mali. Le journal, Aissata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir le RTM pour vous informer. Plus de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton pour la campagne 2024 seront produits. C'est le plan de campagne qui vient d'être validé ce matin au palais de Koulouba par la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture, dont les travaux étaient présidés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a visité 4 unités industrielles de transformation de papier et 2 autres imprimeries de la place. Objectif, recenser les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur en vue de faire de l'industrie le moteur de l'économie du Mali. Des mécanismes traditionnels pour résoudre les conflits ont toujours favorisé la paix et la cohésion sociale dans la cité de 333 ans. Les chercheurs, les traditionnalistes et les religieux de Tombouctou nous donnent d'amples informations dans ce journal sur ces véritables symboles. Dans la page sport, on parlera de la finale du tournoi de l'amitié à Antalya en Turquie, où la sélection junior du Mali sera face à celle de la Slovaquie. Il sera également question de la Ligue de Bamako qui boucle cet après-midi la phase carré d'as du championnat saison 2023-2024. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali, qui a fait de son cheval de bataille la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, le Mali s'attend à une production de plus de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton pour la campagne 2024. Ce plan de campagne a été validé ce matin par la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenue au palais de Koulouba. Les travaux ont été présidés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a révélé que le prix d'achat du coton au producteur est fixé à 300 francs CFA les kilos, soit une augmentation des 5 francs CFA. La session a également fait le bilan de la campagne agricole 2023 qui a connu une baisse de la production céréalière et une hausse des productions cotonnières, animales et halieutiques. Chaka Konaté, bonjour. Bonjour, Asta Saliou Maïga. Il faut dire que la campagne agricole 2023 a été marquée par une baisse de la production céréalière qui est estimée à plus de 9 900 000 tonnes. En revanche, la production cotonnière, animale et halieutique ont connu une augmentation, plus de 590 000 tonnes de coton contre 390 000 tonnes pour la campagne précédente. Pendant la même période, la production de la viande rouge a atteint les 99 000 tonnes, celle du poisson étant de plus de 133 000 tonnes. 13 000 tonnes de lait ont été collectées, plus de 41 millions d'animaux ont été vaccinés et plus de 12 000 vaches inséminées. Plus d'un million 100 000 personnes ont bénéficié d'une distribution gratuite de 30 000 tonnes de céréales. Le budget de la campagne agricole 2023 a été exécuté à 95% selon le ministre de l'Agriculture, Lassine Ndamele. Pour ce qui est de la campagne agricole 2024, elle prévoit une production céréalière de plus de 11 millions de tonnes, 765 000 tonnes de coton, 172 000 tonnes de viande rouge, 13 000 tonnes de lait et 623 millions d'œufs. Il est attendu également une production de 124 000 tonnes de poissons. Pour ce qui concerne la santé animale, 76,8 millions d'animaux seront vaccinés. La mise en œuvre de ce plan de campagne nécessitera un budget de plus de 182 milliards 386 millions de francs CFA. Le président de la transition a remercié les services techniques et les acteurs agricoles pour leur engagement. Le colonel Assimi Goïta a annoncé que les prix d'achat du coton aux producteurs
passe de 295 à 300 francs CFA le kilo, soit une augmentation de 5 francs. Le sac de 50 kg d'engrais minéraux subventionné sera cédé à 14 000, celui d'engrais organique à 3 000 francs CFA, le kilogramme de semences de maïs hybride à 1 500 francs CFA. Mais le président de la transition a fait une mise en garde contre les pratiques de certains partenaires consistant à exporter du bétail des pays saliens vers les pays côtiers. Nous écoutons le président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est le lieu d'inviter particulièrement le département en charge de l'élevage et de la pêche à redoubler de vigilance face aux manœuvres destructrices de certains anciens partenaires qui financent des ONG opérant dans certains pays côtiers avec comme objectif la transplantation et le maintien du cheptel salien dans ces pays. Après des séminaires et ateliers organisés sur la question, leur mode opératoire consiste à organiser une prétendue campagne d'aide en faveur des éleveurs saliens en les incitant à franchir nos frontières avec leurs troupeaux sous le couvert d'une transhumance habituelle afin de les permettre de se sédentariser dans ces pays. Le but final est bien d'anéantir nos cheptels qui demeurent un point fort de nos économies. Les instructions seront instamment données dans ce sens pour prévenir cette menace. Le président Assimi Goïta, qui est le deuxième vice-président de l'APECAM, remercie pour son soutien indéfectible au monde agricole, notamment sa décision d'affecter 10% de la production de la graine de coton aux éleveurs, ce qui a contribué à la baisse du prix du tourteau. C'est pourquoi Ablaye Camara souhaite une hausse de ce quota. Autre doléance présentée par l'APECAM, celle demandant à l'État d'acheter 50% des produits locaux, donc promouvoir les consommés maliens. Il s'agit d'autre part la mise à disposition des engrais par le gouvernement avant le début de la prochaine campagne agricole. Voilà donc, Esta Saliou Maïga, ce qu'on pouvait retenir de cette session du Conseil supérieur de l'agriculture. C'est la 14e session. Merci, Chaka Konaté, pour ces précisions. Le Mali célèbre aujourd'hui la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, deux événements majeurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail organisés par l'INPS. L'occasion a réuni des experts, des représentants gouvernementaux et des travailleurs venus de différents secteurs d'activité. Le thème de cette année pour la journée africaine est la sécurité et santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque, défis et stratégies d'intervention. Celui de la 22e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail et impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Au cours de la rencontre, les participants discuteront des défis rencontrés dans des secteurs tels que la construction, l'industrie minière et l'agriculture, où les risques professionnels sont particulièrement élevés. Salimant Adao nous en dira plus dans nos prochaines éditions. Les imprimeries de Mamadou Yatasaï, imprimerie service et graphique industrie, 4 unités industrielles de transformation de papier ont reçu la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Objectif, recenser la difficulté, voir dans quelle mesure apporter des réponses en vue d'une relance des activités industrielles. Boubacar Bablintouré pour les détails. Le ministre de l'Industrie et du Commerce dans une dynamique de fer du secteur industriel, le moteur de notre économie. Pour y parvenir, il décide de toucher du doigt les problèmes auxquels les acteurs du secteur sont confrontés et voir dans quelle mesure apporter des solutions. C'est bien ce qui justifie cette visite de terrain qui a conduit le ministre Diallo dans 4 unités industrielles de transformation de papier. Il s'agit de 2 unités de Mamadou Yatasaï, imprime-service de Soumaïla Fofana et graphique industrie du Alou Tomota. Ces unités ainsi visitées font face à de nombreuses difficultés. Mamadou Yatasaï, administrateur général des sociétés Yatasaï et fils. Il y a plus de 3 ans que ces bels outils que vous venez de voir sont enfin arrêtés. La matière première, vous l'avez vu, le personnel existe, les machines sont là. Nous continuons à payer les charges de l'entreprise. Soumaïla Fofana, DG de l'imprime service. Les soucis que nous avons, soucis énergétiques, soucis de faiblesse de marché, soucis de concurrence déloyale, parce que nous sommes imprimeurs, nous avons investi. Et les plus gros marchés sont exécutés en Chine et ailleurs.
alors que nous avons investi pour travailler. Alou Tomota, PDG du groupe Tomota. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous avons beaucoup d'arriérés. L'arriéré, c'est environ de 3 ans, 4 ans, impayé. Ça nous pose énormément de problèmes. Pour être fort chez les autres, il faudra d'abord être fort chez soi. Et aujourd'hui, nous sommes fatigués. Face à ces difficultés qui ont conduit cette dignité presque à l'arrêt, le chef du département en charge de l'industrie rassure. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces industries, c'est des investissements très lourds, en moyenne entre 5 et 25 milliards d'investissements. C'est des emplois qui sont en cause, entre 70 à 150, 200 emplois. Mais ceci, c'est la création de richesses qui est en cause pour soutenir la production intérieure brute. Donc, compte tenu de toutes ces exigences et de toutes ces priorités et de notre volonté farouche de faire l'industrie le fer de lance du développement économique de notre pays, je pense qu'il y a un certain nombre de décisions ou d'orientations que le ministère de l'Industrie et du Commerce est dans l'obligation de prendre et d'envisager dans les mers de l'air. En marge de la visite, le ministre Diallo a eu une séance de travail avec ses promoteurs d'imprimerie, histoire de les rassurer davantage quant à la volonté à tout mettre en œuvre pour une relance très prochaine des activités industrielles, conviction des autorités de la transition. C'est parti depuis ce lundi à Bamako pour les travaux de l'atelier de formation de 2 jours sur les techniques de fumage au bénéfice des acteurs de commercialisation du poisson frais. La rencontre est initiée par l'Agence de gestion du marché central à poissons de Bamako. Elle vise à appuyer les participants afin de minimiser les pertes et faciliter l'accès au marché. Sokona Kamisoko. S'il y a un défi que compte relever l'Agence de gestion du marché central à poissons de Bamako, c'est bien celui relatif à la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de pêche et d'aquaculture, surtout en cette période de grande chaleur. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette session de formation des acteurs du secteur en technique de fumage. Formation qui a pour but de minimiser les pertes liées à la conservation des poissons. Diawara Aïchata Ladi Touré, présidente directrice générale de l'Agence de gestion du marché central à poissons de Bamako. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux par l'appui indéfectible du PADEL. Aujourd'hui, si on a du poisson frais, en moins de 2 heures de temps, on ne trouve pas une solution, le poisson sera pourri, le poisson sera avarié. Grâce aux techniques de fumage que nous allons avoir par les experts du PADEL, je crois que nous allons avoir vraiment un bénéfice, un actif sur cette conservation. La présente formation de 2 jours regroupe une trentaine de participants. Elle constitue une étape décisive de la mise en œuvre du PADEL, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali. Moussa Koulibaly, coordinateur du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali. La formation dont il est question vise à améliorer la commercialisation et surtout mettre à la disposition de la population des produits de qualité, des produits sains et hygiéniques. La présente session constitue un coup de pouce aux acteurs de la recherche de solutions aux difficultés auxquelles le secteur reste confronté. Comment étaient résolus les conflits d'antan sous les vestibules des sages dans la région de Tombouctou? C'est à cette question que s'est intéressée notre équipe de la station régionale ORTM Tombouctou, dirigée par Najim Baba Sissé. Suivant. Les conflits et les mésententes étant inhérents dans la convivence sociale, il est impératif de les résoudre lorsqu'ils mettent à mal la vie en commun. Fort de leurs expériences, les vieux sages de Tombouctou ont anticipé sur la résolution des situations conflictuelles à travers des mécanismes traditionnels. Sanchirfi Alpha, chercheur. Ici à Tombouctou, il y a commandé des structures, ce qu'on appelle par exemple le Nyadjetari. C'est une structure traditionnelle qui est reconnue, respectée. Donc en cas de mésentente, ceux-ci appellent les protagonistes, ils leur parlent et puis ils obtempèrent. Au-delà de ces dispositions, il y avait également des figures religieuses reconnues pour leur sagesse et leur droiture. Ces personnalités s'imposent par le respect qui leur est dû et réussissent toujours à faire triompher l'ordre public. Hamou Handedou, notable à Tombouctou. Quand il y a un conflit qui se passe, ils ont plusieurs étapes pour résoudre ce problème. C'est d'abord ce qu'on appelle le mashiha, c'est-à-dire on envoie un cheikh. Quand on dit le mashiha, vous voyez là-dedans le mot cheikh. Alors on envoie le cheikh pour aller demander aux belligérants d'arrêter. On prend par exemple un shérif, on le met devant les oulémas,
Et derrière les éléments, il y a les élèves, les étudiants. Ils vont aller voir les belligérants pour leur demander de cesser. Vous avez ce qu'on appelle aussi la sacralisation. C'est-à-dire que on prend le Coran, le Bukhari, le Muslim, le Muwatta Malik, on le prend et on l'amène aux belligérants pour leur demander, à cause de ces documents, de cesser le problème. San Shirfi Alpha, chercheur. Dans la région, l'exemple le plus patent, c'est l'exemple du Cheikh Kunta al-Bakay. En cas de conflit grave, il suffit qu'al-Bakay envoie son chapelet. Encore, écoutez, ça c'est le chapelet d'al-Bakay, il vous demande de cesser et c'est fini. Donc ce sont des mécanismes auxquels les gens croient beaucoup. D'autres outils et symboles de dissuasion ont également existé et ont eu des effets positifs dans les efforts de rapprochement des parties en rupture. San Shirfi Alpha, chercheur. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alam. L'alam, c'est des drapeaux mystiques. L'alam Yacouba et l'alam Idrissa, qui sont gardés dans une famille à Djawiekoui et à Bajindé. En cas de conflit très grave, très sérieux, alors on leur dit, bon, vraiment, en tout cas, si vous ne tempérez pas, on va sortir les drapeaux. Et généralement, les gens obtempèrent. Mais quand les gens, on tombe sur des gens têtus, quand ils ne le font pas, on sort les drapeaux. Et quand on sort les drapeaux, ça finit toujours mal. Parce qu'en tout cas, ceux qui sont dans leur tort, en tout cas, il y a un malheur qui va arriver. Aujourd'hui, tous s'accordent à soutenir un regard rétrospectif quant à la gestion des conflits, à l'image des légitimités traditionnelles d'antan où tout était réglé sous les vestibules, dans les mosquées ou sur les places publiques. Hamou Handedou, notable à Tombouctou. En réalité, maintenant, on dirait que la jeunesse manque d'une éducation civique. On commence à perdre vraiment les repères. Et si on veut revenir, en toute sincérité, si vraiment les Maliens veulent vraiment avoir les Maliens entre leurs mains, être des vrais Maliens, revenons sur les sources que nos ancêtres nous ont léguées. Si on s'inspire de ces sources-là, il n'y a pas de problème. San Shirfi Alpha, chercheur. Nous avons intérêt à réhabiliter nos cultures. Nous avons intérêt à croire en nos symboles sur toute l'étendue du territoire. Et c'est justement là que nous pouvons tirer le maximum. C'est là que nous pouvons vraiment retrouver l'entente, la paix dont nous avons tant besoin. Si aujourd'hui il y a tout ce recul, c'est parce que nous avons tourné dos à toutes ces valeurs. Draman Cissé, notable à Tombouctou. Je venais des assises du dialogue intermalien. Si ça a été une réussite, c'est parce qu'on s'est inspiré de nos principes, nos règles d'antan. Selon nos interlocuteurs, il est impératif de croire en ces outils traditionnels qui, à un moment donné, ont contribué à souhait à la stabilité sociale et favorisé la paix, la cohésion sociale au sein de la société. Tombouctou, Najim Baba Cissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère. À présent, au Gabon, les conclusions du dialogue national seront remises ce mardi au président de la transition, Olingi Nguema. Parmi celles-ci, le dialogue demande une révolution dans l'équilibre de pouvoir. Ces assises qui se sont achevées samedi dernier ont rassemblé pendant près d'un mois plus de 600 personnes issues de toutes les couches de la société en vue de proposer de profondes réformes au pays. En RDC, le président Félix Tshisekedi doit rencontrer son homologue français à Paris. De sa visite officielle en France, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est au cœur de cette rencontre. Le président congolais clôturera également un forum sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC cet après-midi au ministère français de l'économie et des finances. En Guinée-Bissau, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu aujourd'hui au pays pour une visite de travail et d'amitié après celle de la Mauritanie et de la Gambie. Cette visite de quelques heures servira à examiner les accords bilatéraux entre les deux pays, notamment celui de la frontière maritime commune. Au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les forces de soutien rapide à mettre fin au siège d'El Fazer et s'est dit inquiet sur le plan humanitaire. C'était à l'issue d'une réunion du dit Conseil de sécurité à New York sur la situation de ce pays. Ce rassemblement est une demande du gouvernement soudanais qui accuse notamment les Émirats arabes unis de soutenir les paramilitaires des forces de soutien rapide contre lesquelles il est en guerre depuis plus d'un an.
Au moins 50 morts, c'est le dernier bilan toujours provisoire de l'effondrement d'un barrage. Cela s'est passé dans la nuit du 28 au 29 avril à Mayou, dans le comité de Nakuru, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, la capitale du Kenya. En Afghanistan, 6 personnes ont été tuées, une blessée dans la nuit de lundi à mardi dans la province de Herat, à l'ouest du pays. C'est l'œuvre d'un homme armé qui a ouvert le feu sur des fidèles en pleine prière. L'annonce a été faite par le porte-parole du ministère de l'Intérieur. La passeport à présent. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Sari Omega. Finale du tournoi de l'amitié à Antalya, en Turquie. La sélection junior du Mali est face à celle de la Slovaquie. Oui, le match a débuté il y a 21 minutes de cela. Le score est toujours de 0-0 entre le Mali et la Slovaquie. Invité à prendre part à ce tournoi organisé par l'UEFA pour certaines sélections nationales des moins de 20 ans, le Mali en profite et se prépare activement. Les Aiglons, sous la direction du technicien Soumaïla Koulibaly, ont en ligne de mire le tournoi qualificatif de la zone de West A à Monrovia au Libéra du 15 au 30 septembre prochain. La Ligue de Bamako boucle cet après-midi la phase Caridas du championnat saison 2023-2024. Oui, avec deux rencontres à la même heure, 16h30, ASB FC Diarra sur le terrain de l'AS Real et CSB FC RFAF sur le terrain de l'USFAS. Après deux journées, FC Diarra 6 points est sacré champion de la Ligue de Bamako devant FC RFAF à 3 points, ASB 1 point, CSB 1 point. Cerise sur le gâteau, FC Diarra représentera la Ligue de Bamako au prochain tournoi de la montée en Ligue 1. Ligue des champions d'Europe, grosse affiche ce soir à l'occasion de la première demi-finale allée entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Coup d'envoi 19h universel à Allianz Arena, Bayern Munich-Real Madrid. Ce choc électrique sera attendu. Leur dernier affrontement demi-finale de Ligue des champions remonte à 2018. À l'aller, le Real s'était imposé 2-1. Au retour, le score de 2-2 sanctionnait la partie et envoyait le Real Madrid en finale. C'est tout. Et ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. Depuis 2012, l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali, lutte contre la malnutrition dans plusieurs localités du pays. Mais depuis un moment, IFE Mali a changé de fusil d'épaule en mettant l'accent sur la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants, notamment l'autonomisation des femmes et la scolarisation des enfants qui abandonnent les écoles pour aller travailler dans les mines artisanales. Focus sur l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali, c'est dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou, c'est une rediffusion. Créée en 2012 par des groupes de jeunes pour combattre la malnutrition des enfants dans la commune du Mandé, l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali, se focalise de nos jours sur l'épanouissement des enfants et des femmes. Pour ce faire, elle pilote des activités génératrices de revenus des femmes pour leur autonomisation. Adama Kouyaté, président de l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali. On a pu subventionner des groupes de femmes qui sont aujourd'hui autonomes. Elles peuvent produire du savon, elles peuvent produire des croquettes de gingembre et plein d'autres choses. Et elles arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à ce projet qu'on appelle Mousseau. Et vendre ce savon à Kangaba et même souvent à Bamako. Donc ça les aide à être autonomes financièrement et on les apprend aussi à comprendre un peu leurs droits dans la société. L'un des combats de IFE Mali reste la scolarisation des enfants, surtout les enfants qui travaillent dans les mines artisanales à travers un programme. Le projet CIMI, qui veut dire demain, a pour but d'avoir identifié les enfants qu'ils avaient abandonnés, les classes pour travailler dans les mines d'or artisanales, dans les conditions difficiles, et on essaie de les réinscrire à l'école et on prend en charge les dépenses scolaires. Nous avons pu identifier
plus de 150 enfants qui travaillent dans des conditions très difficiles dans les mines d'or artisanales. Et IFE prend aujourd'hui en charge 50 enfants les plus vulnérables. Malgré tout, l'association est confrontée à des difficultés, notamment la réticence des parents pour le retour à l'école de leurs enfants. Adama Kouyaté, président de l'association Initiative contre la faim des enfants, IFE Mali. Ce n'est jamais facile. Et très souvent, ces enfants-là travaillent au compte de leurs parents dans les mines d'or parce qu'ils sont envoyés là-bas par leurs parents. Donc, l'un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est comment combler le vide que l'enfant va créer s'il retourne en classe. Parce que ces enfants-là apportent quelques sous à la maison à leurs parents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie toujours d'échanger avec les parents. On essaie de mettre en avant l'avenir de l'enfant plus que ce que l'enfant peut amener aujourd'hui. Donc, avec ça et l'implication des autorités locales, on arrive à convaincre les parents de laisser les enfants retourner en classe. L'association Initiative contre la faim des enfants IFE Mali, au-delà du combat de la malnutrition, se consacre de plus en plus sur la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants des communautés défavorisées sur fonds propres provenant des cotisations de ses membres. Avant de refermer ce journal, retenez que le Mali s'attend à une production de plus de 11 millions de tonnes de céréales et 765 000 tonnes de coton pour la campagne 2024. Ce plan de campagne a été validé ce matin par la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenue au palais de Koulouba. Les travaux étaient présidés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a révélé que le prix d'achat du coton aux producteurs est fixé à 300 francs CFA le kilo, soit une augmentation de 5 francs CFA. La session a également fait le bilan de la campagne agricole 2023 qui a connu une baisse de la production céréalière et une hausse des productions cotonnières, animales et halieutiques. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Apsi Traoré. Réalisation Souma Ouaïdara. Mise en ligne Sekou Traoré. Coordination Bourama Traoré. Merci d'avoir été des nôtres. Passez d'excellents moments d'écoute radiophonique en compagnie de nos programmes.